next level. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de faire un grand tri dans mes PC, dans les ordinateurs portables que je peux avoir dans la pièce, parce que j'en ai beaucoup. J'ai d'abord expliqué que j'allais démonter un Asus F9E, qui est un vieux PC de 2008, qui est passé entre trois mains, sauf que la dernière main était un petit peu une main gauche, donc elle a fait tomber l'ordinateur, et l'écran est pété. Donc voilà, dans les choses qu'on peut retrouver, c'est par exemple plein de vis. J'ai également récupéré de la DDR2 dessus, de 2 Go par stick. C'est sympathique pour pouvoir faire des tests des fois sur certains PC portables. Ensuite, j'ai récupéré un système de refroidissement. Un système de refroidissement qui est quand même relativement efficace parce qu'on est sur des PC portables et donc ça consomme peut-être 30 watts ou un truc comme ça. Et donc ça peut être pratique d'avoir ce genre de système de refroidissement pour un prototype, pour un projet particulier ou ce genre de choses. Ensuite, des haut-parleurs. Ceux-là sont fermés mais ont un petit boîtier en plastique. Ensuite, on retrouve un module webcam qui a l'air d'avoir une LED blanche pour faire un flash. Une carte Wi-Fi qui est dans ce cas-là une Intel Pro Wireless 3945 ABG. Ensuite, on retrouve une batterie. Alors, je récupère les batteries parce que je m'amuse à les démonter et d'essayer de voir si les éléments sont bons à l'intérieur et pourquoi pas les récupérer pour d'autres projets. Ensuite, on a un disque dur. Des fois ils sont morts, des fois ils sont en bon état. C'est un truc à checker, ça, sur Crystal Disk Info par exemple. Ça peut être bien pour des sauvegardes physiques sur disque dur. Ensuite, c'est un écran, donc c'est l'écran. Mais voilà, j'ai récupéré le driver des tubes fluorescents plus l'écran. L'écran devant, ça se voit pas, mais on peut voir des zones d'ombre, je sais pas si ça va dans la vidéo, qui sont en fait l'écran, le LCD qui est mort. En fait, moi, si je dois m'en servir, il y a un youtubeur anglais qui s'amuse en fait à des fois montrer des life hacks ou des trucs comme ça. En gros, il a réussi à récupérer des écrans pour par exemple en faire des éclairages ou pour en faire une softbox ou des choses comme ça. Donc je le garde dans un coin et au cas où un jour ça. Je me prends l'idée de le faire, je le ferai. J'ai jeté la carte mère parce que je pense que ça n'aura aucun intérêt. Pour le coup, j'ai quand même récupéré le processeur et j'ai également récupéré la pile 3V. Alors ça vaudrait le coup de tester quand même si elle est en bon état. Ensuite, un autre truc que j'ai récupéré, c'est le clavier que j'ai réparé parce qu'il y avait la touche R qui était pétée à cause du métal derrière qui s'était tordu. Du coup, je mettrai peut-être une annonce sur eBay ou Le Bon Coin ou un truc comme ça. Ensuite, j'ai également récupéré, et le dernier d'ailleurs, j'ai récupéré ce lecteur DVD RW, tout ce que vous voulez, qui est de HL Data Storage, Hitachi LG. Et dans mon cas, ça va m'être particulièrement utile parce que le nouveau boîtier de mon ordinateur fixe n'a plus d'emplacement pour DVD. Et donc, avoir un lecteur multi-DVD rewriter, tout bordel comme celui-là, pourrait être extrêmement pratique pour l'avoir dans un boîtier externe et pouvoir encore utiliser des DVD sur mon ordi fixe. En tout cas, voilà ce que j'ai pu récupérer de cet ordinateur-là. Je vais pouvoir également récupérer sa brique d'alimentation ainsi que la souris qu'il y avait avec, qui est une HP, au suivant. Ok, donc c'est reparti avec un nouveau PC que j'avais là dans les coins du bureau. Alors, ce PC, je vais vous montrer ce qu'il a comme problème. Voilà, donc ça va être très rapide. Le ventilo se met en marche, tout ça, et voilà. L'écran est fucked up. Alors, j'entends qu'il y a un DVD dedans. Allez voir ce qu'il y a. Ben Harper, Fight for Your Mind, yes. Alors c'est un lecteur DVD rewritable, donc probablement en IDE comme l'ancien. Bon, là actuellement c'est pas récupérable, alors, je pense que vous avez compris le truc. Donc la chose qui se passe dans ce genre de cas, c'est que je vais essayer de réparer l'ordinateur, et si je n'y arrive pas, et ben je le démonte comme l'autre, et je récupère le plus de choses utiles à l'intérieur que je peux. We'll be right back.
Donc voilà, ce que j'ai pu obtenir, oui, il manque aussi l'écran. Hop. Donc, j'ai récupéré l'écran, je verrai encore une fois, le driver m'a l'air un peu relou à utiliser, mais on ne sait jamais. J'ai récupéré également une carte réseau, donc une carte réseau Ralink RT2560F. Ensuite, j'ai récupéré ce dissipateur, il y en avait plein, enfin il y en avait pas mal, mais j'ai récupéré celui-là en plan particulier parce que je le trouve joli, il est noir, il est fin, il peut être utilisé un petit peu partout et sur des petits composants. Ensuite, j'ai récupéré également le clavier, alors ça c'est plus pour voir si je peux réussir à le revendre. Ensuite, j'ai également récupéré encore une fois un autre lecteur DVD qui est fait par NEC. Ensuite, j'ai récupéré le système de refroidissement. Ensuite, alors le système son de cet ordinateur me paraît assez intéressant parce qu'on a deux tweeters, mais on a surtout un subwoofer. Je suis en train déjà de m'imaginer à comment je pourrais faire une petite enceinte portable basée sur ce subwoofer et les deux tweeters, imprimés en 3D. Ensuite, on retrouve de la DDR1, donc j'en ai deux. Elles font 256 mégaoctets chacune. Et en dernier, bon, ça c'est plus parce que je m'amuse un petit peu à garder ces vieux processeur, donc là on a un vieux mobile AMD sans tronc. Je crois que je vais finir par me faire une vraie collection de CPU et je vais pas comprendre. Bien évidemment, comme sur l'autre, la batterie, qui est la batterie originale Packard Bell. On remarque ça par le fait qu'il y ait le marquage. Je pense que pour les deux ordinateurs là, les batteries sont juste mortes de chez mortes. Voilà, bon allez, au suivant. Donc c'est reparti pour un nouvel ordinateur. Alors cet ordinateur là, c'est un vieux Samsung. Normalement lui, il fonctionne. Alors pour le coup, lui, il mérite d'être testé, voir un petit peu ce qu'il donne. Et encore une fois, si l'écran est pété, bon bah ça... Vous savez ce qui va se passer. Ok. Donc l'ordinateur démarre. Ah voilà, c'est ça. Cet ordinateur là a l'écran en haut qui déconne. Et cet ordinateur-là date de avril 2010. Donc voilà, je vais voir plus tard pour cet ordinateur-là, je verrai ce que j'en fais. Voilà, allez, passons à l'ordinateur suivant. Donc, voici le PC suivant. Je sais pas si vous allez réussir à entendre, mais... Il y a des trucs qui bougent dedans. Donc je pense que lui, il n'y a même pas besoin de s'embêter. Je pense qu'il est mort de chez mort. Bon, on attend 2010, donc cet ordinateur date de 2010 apparemment. L'écran n'est pas mort, je pense, donc je vais le récupérer et je vais potentiellement le proposer pour vraiment pas cher sur le Bon Coin ou sur eBay. Bon allez, c'est parti. Alors petit détail, je me suis juste arrêté en plein milieu du démontage. Petite astuce, si vous souhaitez démonter un lecteur DVD, un lecteur CD comme ça sans l'alimenter, vous utilisez tout simplement un trombone que vous pliez de cette manière là et vous venez enfoncer dans le trou ici le plus droit possible. Hop là, et voilà. Et donc à partir de là, vous pouvez venir enlever cette plaque ici à l'avant. Vous avez un clip ici et vous en avez un autre ici. J'ai pas encore totalement fini, j'ai pas encore traité la carte mère, le côté carte mère. Donc au niveau des trucs que j'ai pu récupérer, on a l'écran utilisé comme backlight. Ensuite on a le clavier qui lui par contre doit être fonctionnel, il a par contre une touche qui manque. Donc poubelle, poubelle électronique. Ensuite alors le module caméra, je pense que lui il est vraiment pas si mal que ça. J'ai gardé le câble parce qu'il est codé au niveau couleur. J'ai récupéré, comme je vous l'avais montré, le lecteur DVD. Il est sympathique surtout parce qu'il est en SATA. Ensuite, comme d'habitude, la batterie. Et en dernier, le système son. Alors je l'ai récupéré, même s'il est relou niveau taille. Ici, j'ai le subwoofer. Vous voyez, avec un gros caisson, par rapport à la taille du haut-parleur, je pense. Et avec le petit tweeter de ce côté, qui a également son petit caisson à lui. Donc c'est pas si mal. Par contre, je voulais juste vous montrer un truc. Alors, déjà, je voulais vous montrer la magnifique matrice. La magnifique matrice pour le touchpad. On remarque d'ailleurs un petit truc assez sympathique, on a là-haut une LED
qui est en inversé, qui permet de ressortir sur le devant ici. Il y avait une petite LED, il me semble que ça devait être pour le 4 match ou pour le 4 match ou des trucs comme ça. Voilà. Bon bah au prochain. Hein. Allez. Et bien évidemment, juste comme ça, je voulais vous montrer en fait le bordel que ça crée quand vous venez démonter ce genre de PC. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce que j'ai démonté, et vous voyez que ça remplit ma poubelle de, je sais pas, peut-être 15 litres. Et la poubelle déchets électroniques, voilà à quoi elle ressemble. Alors, je suis assez content parce que j'ai enfin réussi à trouver une alimentation pour ce PC. Un HP ProBook 4525S qui a dû sortir dans les années 2010. Il est grand, j'avais déjà commencé à le démonter. Pas. Ah, postcode me dit 1, 2, 3. Ah yes, ok, bon bah effectivement je comprends pourquoi est-ce que j'avais abandonné l'idée. Regardez-moi ce joli light show, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais vous faire le focus dessus, voilà. Je vous présente un problème de GPU. Je viens de finir de dépecer cet ordinateur. Un truc que je garde et que je pensais pas garder par rapport aux autres ordi, j'ai gardé un truc en plus, c'est le trackpad. Donc au final, vu qu'il a été très facile à enlever, là, je me dis pourquoi pas le vendre. Il est en bon état, il est pas rayé, il est juste un petit peu abîmé, mais il est pas rayé, il est pas abîmé quoi que ce soit. Ensuite, comme pour tous les autres, le lecteur DVD, encore une fois il est en SATA, donc c'est une très bonne chose. Ensuite, les systèmes haut-parleurs, et pas de subwoofer ou quoi que ce soit, mais à voir. Ensuite, le système de refroidissement, la webcam que j'ai récupéré. Ensuite, j'ai récupéré le processeur qui est dans ce cas-là un AMD Phenom 2. Ici, j'ai la prise d'entrée secteur. Ça peut être très pratique pour faire des projets sans détruire les alimentations HP. Et le clavier, évidemment. Alors le clavier, je ne sais pas s'il est en état de fonctionnement. Donc j'ai encore, pour le coup, vu que j'ai cette alimentation et j'ai réussi à en trouver, j'ai encore un ordi à tester. Et normalement, j'en aurai fini. Donc c'est parti, ordinateur suivant. Donc voici l'ordinateur suivant. Également un HP. Alors c'est un ordinateur professionnel, on retrouve le port. Alors on avait Windows Vista Business de 2005. Je vais aller regarder quand même s'il y a un disque dur dedans. Parce qu'il y a moyen que je l'ai enlevé. Il y a encore un disque dur dedans, trop bien. Donc c'est-à-dire que cet ordinateur doit fonctionner encore à peu près. Ah, ouh, joli. Bah écoutez, cet ordi fonctionne. Il est plein de merde. Je pourrais pourquoi pas proposer à la personne qui me l'a passé de récupérer ses données. En dehors du fait que l'écran soit un petit peu niqué, je veux dire, il suffit de brancher un écran externe et t'as un ordinateur qui fonctionne très bien. Ça, je le vois en fait utilisé comme un ordinateur de secours, pourquoi pas.
un ordinateur fixe pour une personne âgée, ou alors comme un petit serveur mobile. Par contre, il faudrait quand même que je change la pâte thermique. Voilà, je viens de remonter l'ordinateur. L'ordinateur semble démarrer. Donc voilà, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Moi je vais continuer de mon côté à travailler sur cet ordinateur-là, à le restaurer. De manière générale, ce que je vais faire, pour ceux qui se demanderaient, je vais désinstaller Windows 7, effacer totalement le disque dur. Je vais demander à la personne s'il y a des trucs importants qu'elle veut récupérer dessus. Et je le donne. Je vais quand même bien évidemment le nettoyer parce que là c'est absolument dégueulasse. En tout cas, voilà, ça c'est un ordinateur qui est fonctionnel, qui a le wifi, qui a tout ce qu'il faut. Donc il n'y a aucune raison, encore une fois, pour que je le jette. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti, vous aura potentiellement... aider à comprendre peut-être certaines choses en fonction du contenu que je vais mettre dedans, en fonction du montage que je vais faire. Donc voilà, merci de m'avoir écouté aujourd'hui, merci de m'avoir regardé, et à la prochaine.